Bienvenue sur un thé éternel. Morceau, comme j'en ai marre de me faire des mégots, nous arrivons donc au 14 août 2017. Tiens, hier c'était l'anniversaire de la Vierge Marie, et le 17 c'est celui de maman. Morceau de dimanche de merde, aller à l'hosto, j'ai pas une thune pour le bus, ramasser les mégots, tout ça, c'est... Ça fait un mois et 14 jours que j'ai 48 ans, je suis du 28-6. Tu vois. J'arrête pas de dire que le règne vienne, mais pour l'instant il vient pas. Vous êtes vraiment trop ensuqué. Je suis entouré par des Mongols en fait. Le commun des mortels, il faut les rassembler. Mais non. Morceau de pouvoir en place de merde, morceau de feu partout, morceau de pollution partout. Pourquoi vous niquez la planète? Ça doit être le paradis. Pourquoi tous mes rêves d'enfant, vous avez tout niqué? Vous êtes des ordures au pouvoir. Sarkozy, coup de boule, Hollande, coup de boule, tous coup de boule. Depuis Mitterrand, mais même avant, c'est le Pompidou, la première raclure. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Moi, j'étais pas content. En plus, il faut que je trouve mes papiers pour l'UDAF demain. J'ai une photo pour faire ma carte vitale. Tu parles, j'ai 20 ans dessus. Je dois en avoir d'autres, mais tellement le bordel. J'en ai tellement plus rien à foutre. Eh, une fois que tu connais le monde de l'esprit, le monde matériel, t'en as plus rien à foutre. Tu vois. C'est pas l'argent le Dieu, c'est le diable. Et ils font des conneries. Et ils font conneries sur conneries. Et le Donald à coup de boule. C'est relou. Enfin, pour l'instant, on est toujours le 13. Et hier, c'est l'anniversaire à ma Vierge Marie. Et avec moi, j'étais gentil. Je voulais marier tous les chrétiens et puis tous les musulmans. Puis arrêter. Puis pas contre le peuple juif, mais arrêtez les conneries, quoi. Les monothéistes, ça va bien 5 minutes, mais oh, en 2017, là. J'ai une planète à sauver, moi. Je fais crise de Nice, j'en ai marre d'être dans la merde tout le temps, pendant qu'ils détournent des millions par jour. Tu vois le truc? Voir des centaines de millions. Voilà, voilà, voilà. Donc le moral n'est pas au plus haut, surtout que quand je vais chez Tata et qu'il n'y a pas Tata, vu qu'elle est à l'hosto, en gériatrie, c'est pas sûr qu'elle sorte pas les pieds devant. Pas une poubelle, non? Et en plus, ils l'ont mis sous ses restes. Oui, mais tu comprends, c'est léger. Ah ouais? Alors déjà qu'elle bougeait plus. Ça fait, je sais pas, c'est mercredi, je crois qu'elle est rentrée. Bah, elle bouge encore moins. Tu vois? Même pas à s'asseoir, même pour manger et tout. C'est... Le premier jour, ils l'ont mis dans le fauteuil, mais là, non. C'est fini. Il faut dire aussi qu'elle râle tout le temps ou qu'elle arrête pas de jambes. Ça arrive. Elle n'est pas commode comme... Enfin... Putain, merde. Un mois et 14 jours de rédemption de chef d'état d'âme. Moi, je suis un esprit dans une viande. Je suis pas une viande sans esprit, tu vois. Alors, c'était bien le moment, là, parce que de toute façon, vous bougiez tout. Et puis, il n'y a que de la merde à la télé. Et puis, de toute façon, vous faites que de la merde, même en politique, partout. Parce que votre Dieu est pognon. Et donc, c'est de la merde, c'est le diable. C'est pour ça que je voulais dire, voilà, maintenant, t'es collabo ou t'es résistant. Comme c'est deux mondes séparés, les riches et les pauvres. Le problème, c'est que les pauvres, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de machin, ils n'ont rien, donc ils peuvent pas savoir ce que je raconte. Tu vois. Et les riches s'en branlent tant qu'ils prennent le pognon.
je la veux, ma révolte, bordel. Une révolte planétaire. Des lois votées par, pour, avec les peuples, sur toute la planète. Un truc vrai. Pas un gouvernement, un gouverne vrai. Je vais le dire 600 000 fois, mais c'est pas grave. Comme les médicaments. Ils sont en train de la tuer au cacheton, hein, tata. Non ? Un bon tacos, un coup de rouge, un sauciflard, et c'est bon, un pain de campagne. Ça, c'est la vie. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus ? La vie sur Terre est une enculerie. Pour l'instant, si vous continuez de collaborer, ben les riches seront toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Et la classe du milieu va disparaître. Qui pourra plus payer, putain, il y aura le huissier, il y aura le machin, et tout, et plus de maison, plus de femmes, plus de gosses, plus d'enfants, il a fait un crédit sur 18 000 ans, mais pas que c'est un système de fils de pute, dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas, encore faut-il avoir un esprit, mais ça, apparemment, les 90% du cerveau qui sont pas branchés chez vous, il n'y a pas moyen de rebrancher, hein. Comment que je vais faire? Crise de Nice, c'est pas fastoche, hein. Faut pas croire. Hein. J'ai même pas la moitié des papiers pour demain. Je me bats les couilles, des paplards partout, et putain, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie sur Terre. Et tu cotises pas pour engraisser des fils de pute qui branlent rien quand même. Faut arrêter aussi. Quand ils sont passés aux 35 heures, ils savaient pas comment faire, ils les faisaient déjà pas. Par mois, par combien? À la Coluche, quoi. Le seul truc qui n'est pas assuré, c'est l'horloge. Parce que tout le monde a les yeux rivés dessus. Pour ceux qui partent en avance, ils ne croisent pas ceux qui arrivent en retard. Je rigole, mais j'ai un putain de super blouse. Enfin bref, on va l'envoyer comme ça. C'était bienvenue sur l'éternel envoyé spatial. À vous, cognac, j'ai pas. J'ai un petit coup de rosé quand même. Et des mégots pourris qui se donnent la mort. Putain, quand je vois ce qui détourne, merde. Je pourrais pas avoir un paquet de tabac et du mon pinard tous les jours et qu'on m'emmerde pas et que. Je bosse pour le bon Dieu, moi. Ça veut dire directeur d'induction d'énergie universelle. Et en plus, je vous emmerde. Enfin, les gens du pouvoir. Oh merde, on est en 2017 quand même. Maintenant, on m'a pas cloué. On m'a pas brûlé pour hérésie. Parce qu'en fait, le seul fils de Dieu, tu parles, il y en a eu plein, mais ils sont tous cramés. On m'a pas coupé la tête, il n'y avait pas guillotin. On m'a pas électrifié, la chaise c'est fini. La chaise, c'est fini. Et pour l'instant, je prends pas de benzo, je prends pas de cacheton. Ça fait 9 ans. Tu vois? Alors, elle est où l'arnaque? Prenez-moi que pour un con avec vos médias de merde, BHL TV, là, tout est vendu de l'âme, en fait. Vous devriez avoir une putain de honte pendant que tout le monde crève de faim, pendant que la planète agonise, alors qu'on pourrait partager, on pourrait le faire tout en camion. Tu vois le truc? Mais vous voyez pas. Hein. Allez, regarde ton Drucker, fais pas chier.